La parole est maintenant à M. Jacques Crabal du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste, pour un temps de parole maximal de 5 minutes. Merci. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission du développement durable, Monsieur le rapporteur, cher Jean-Paul. Madame la Présidente de la Commission des affaires économiques, Madame la rapporteure, Mesdames, Messieurs les députés, chers collègues, c'est peu dire que ce texte était attendu avec impatience depuis plusieurs années par tous les parties prenantes, les parlementaires, les élus sur les territoires où se trouvent les activités minières, les industriels, les associations et une part importante de la population. Certes, il arrive en fin de mandature et au-delà des reproches, nous, nous disons mieux vaut tard que jamais. Tout d'abord, au nom des députés du groupe radical républicain, démocrate et progressiste, je tiens à remercier notre président et rapporteur du jour, Jean Paul Chanteguet, artisan vaillant, déterminé, talentueux de la proposition de loi portant l'adaptation du code minier aux droits de l'environnement. Sans son travail remarquable, reconnu de tous, avec une préoccupation constante, à la fois courageuse et volontaire sur ces sujets pourtant complexes et sensibles, nous ne serions probablement pas ici réunis aujourd'hui. Permets-moi, mon cher Jean-Paul, de te féliciter sincèrement. Tu nous démontres qu'un parlementaire peut jouer un rôle considérable dans la fabrique de la loi lorsqu'il s'engage pleinement pour une cause. Si la volonté d'adapter le code minier aux droits de l'environnement est une idée relativement récente, qui repose sur un droit devenu trop imprévisible pour les acteurs. Ce texte est l'aboutissement de longues années de labeur, notamment dans notre commission du développement durable. Mais le droit minier est, depuis son origine napoléonienne, 1810, un droit des exploitants miniers personnifié par les opérateurs miniers et dominé par le primat de l'exploitation. Mais le droit de l'environnement a pris la place qu'il mérite depuis les années 90 jusqu'à l'accession. Au rang constitutionnel en 2004, avec la Charte de l'environnement contenant notamment le principe de précaution. Ce sont les lacunes de la législation face aux velléités des industriels d'exploration et d'exploitation des pétroles et gaz de schiste, avec la méthode de la fracturation hydraulique, qui ont montré la nécessité d'adapter le droit minier. La loi Jacob de 2011, il faut le dire, sans polémique, fut une réponse précipitée de l'ancienne majorité pour tenter d'apaiser les colères qui grandaient dans nos territoires, tout en laissant une porte ouverte aux industriels, et qui ne réglaient en aucun cas la question des gaz et huiles de 6. Et ce, comme vient de l'ajouter avec pertinence notre collègue de l'UDI, des permis exclusifs de recherche ont d'ailleurs été accordés dès 2011, par arrêté, après une procédure régulière au point de vue juridique, mais sans aucune consultation des élus des territoires et encore moins des populations je peux en témoigner les citoyens, les élus, mis devant le fait accompli, sans aucune information ni concertation que ce soit à Château Thierry, à Rozoy Belleval, dans le Soissonnais, dans le sud de l'Aisne, un territoire que je connais bien, mais aussi en France ce ne sont pas moins de cent trente cinq demandes de permis d'explorer déposées au mépris de la démocratie. Il aura fallu une mobilisation sans précédent et un engagement sans faille des élus, des citoyens, des collectifs, que je tiens une nouvelle fois à remercier pour relayer les contestations avant d'aboutir à l'annulation des permis délivrés aux industriels. Avec la volonté, bien évidemment, de préserver la qualité de notre eau, notre agriculture, notre zone à oser champagne, classée aujourd'hui au patrimoine naturel de l'UNESCO. Jamais nous n'accepterons que ce patrimoine naturel, que nos paysages, soit saccagé par l'exploitation de ressources fossiles par des multinationales dont le seul critère est le profit à court terme. Avec cette proposition de loi, qui a été considérablement améliorée lors de son examen en commission, notamment grâce à l'adoption d'amendements importants proposés par notre rapporteur, nous espérons aller plus loin et ne pas rester au milieu du guet. Et ainsi nous tiendrons un engagement. Tenir un engagement, ce n'est pas mince quand on est élu, puisque gouvernements. gouvernement, en la matière, a fait preuve de 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 pertinence et de cohérence, mais aussi de courage politique. Nous aurions aimé souligner ce même engagement au cours de cette mandature dans bien d'autres domaines. Oui, ce texte est cohérent et pertinent. Avec le processus engagé par la loi sur la transition énergétique ou encore avec les objectifs de la COP 21 pour lutter contre le réchauffement climatique et créer des emplois dans le cadre de la croissance verte. Nous nous félicitons des avancées importantes sur lesquelles la France ne reviendra pas. Le processus lancé grâce à ce texte nous paraît irréversible. La démocratie écologique, c'est la possibilité de choix donnée aux citoyens, aux élus. Eux seuls doivent pouvoir décider de l'exploitation de leur sous-sol et pour les gaz de schiste, la décision ne souffre d'aucune ambiguïté. Comme disait Jean de la Fontaine dans la fable La chèvre et le chevreau, deux sûretés valent mieux qu'une. Et le trop en cela ne fut jamais perdu. Nous soutiendrons donc cette proposition de loi en espérant qu'elle s'inspire de cette morale en refermant définitivement la porte du mirage des gaz de schiste. Merci. Merci, Monsieur Krabal. La parole est maintenant à Monsieur Patrick.